Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans les bruits. Je vous amène tout dans les bruits. Mon voisin fait l'anniversaire, mon voisin fait la fête et il ne nous a pas invité. On est obligé de se taper tous les bruits de sa fête. Et je voulais faire cette vidéo comme ça. J'ai mis ce micro-cravate et j'ai fait un petit test. Il paraît qu'on m'entend très bien. J'espère vraiment que vous m'entendez très bien. Alors, asseyez-vous bien, prenez place dans la vidéo, dans les bruits. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je partage avec vous le nettoyage de mon canapé. Vous savez, j'ai un canapé en tissu et avec les enfants, ce n'est pas du tout possible. J'ai même une amie qui était arrivée à la maison, elle m'a dit, Nathalie, je ne peux pas acheter le canapé en tissu, je ne peux pas. Encore moins ta couleur, c'est... Donc, je vais partager avec vous comment je fais pour l'entretenir. Je me bats comme je peux, mais je pense que d'ici décembre, je vais devoir appeler une entreprise clean spécialisée dans le nettoyage de ce genre de choses. Vous comme fête Noël quand même avec un canapé tout neuf, vous voyez. Donc, je vais partager avec vous cela. Mais avant de commencer le nettoyage du canapé, je vais vous présenter un petit retour de course que j'ai fait, quelques petits achats que j'ai fait. En fait, en grande partie, c'est des achats pour le nettoyage de ce canapé. Je n'avais plus de vinaigre blanc à la maison. J'ai donc pris ce vinaigre blanc. J'ai pris ça à 350 la bouteille de vinaigre blanc. Sinon, il y a le bon vinaigre blanc qui coûte 800. Celui-là est plus concentré et c'est même meilleur. Celui-ci, c'est 350. Les gars qui mettent ça dans les boîtes vendent à 400. J'ai pris ma petite brosse. J'avais vu la brosse à China Mola Douala à 600. J'ai bien pris, je suis arrivée au niveau de la caisse. La fille m'a dit, elle n'a pas la monnaie. J'étais obligée de déposer. Me voici à Yaoundé en train d'acheter ça à 950. Donc me voici en train d'acheter ça à 950 à cause de la monnaie. C'est une brosse assez particulière parce qu'elle est très souple pour brosser le canapé. Elle est super souple. Depuis là, je lave le canapé uniquement avec le gant. J'avais d'ailleurs filmé une vidéo pour vous montrer, mais après j'ai perdu les images. Ce travail-ci, hein, il faut avoir de la persévérance. J'avais filmé une vidéo pour vous montrer comment je nettoie mon canapé. Il y a de cela peut-être 2 mois et demi, mais j'ai perdu toutes les images. Je lavais avec le gant à main là, le gant qu'on vend à 200, que les gens se frottent avec là, je frottais avec. Et là maintenant, je vais brosser, je vais devoir brosser. Puis j'ai acheté le lot de 3 éponges, voilà. Donc, j'ai acheté un lot de 3 éponges pour laver ma mite, assiette, pour bien poncer. Et la partie verte, c'est celle qui m'aide beaucoup pour laver ma cuisinière. Afin que l'éponge de mamie ne gratte pas, c'est ça. Je n'avais plus ces éponges depuis et il y a certaines traces sur ma cuisinière que je n'ai pas pu frotter. Je l'avais juste avec le chiffon microfibre, ça n'enlevait pas. Donc avec ça, je vais enlever. Ça, c'est un lot de 3. Puis, j'ai pris le mouchoir, ce mouchoir-ci. En fait, j'avais acheté ce mouchoir une fois, mais ça ne se découpait pas, ça ne se coupait pas bien. Après, une amie m'a dit que non, ils ont amélioré la qualité. Parce que ça fait quand même partie des mouchoirs moins chers sur le marché. Elle me dit qu'ils ont amélioré la qualité. Maintenant, ça se coupe mieux. Donc, c'est ça qu'on va tester ensemble. Je ne fais pas la publicité. Hein. Je vous montre juste les bons plans pour avoir vos mouchoirs à la maison. Pas besoin d'acheter les mouchoirs de 1500, 1600. Donc, on va tester. Est-ce qu'ils ont vraiment amélioré? Ah oui, c'est vraiment amélioré. Non, ça c'est bien. Ça c'est bien, voilà. C'est amélioré, ça se coupe. Avant, tu tirais comme ça, ça se divisait même d'abord. Les deux se divisaient. Maintenant, ils ont bien laqué ça, ça ne se divise plus. Et après, ça ne se coupait pas bien. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Maintenant que je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté, on ira ensemble faire le mélange pour nettoyer le canapé. Là, j'ai déjà mis la bouilloire à brancher, l'eau en train de chauffer, parce que j'utilise l'eau tiède pour laver le canapé. Bon, je ne sais pas si je vais mettre les gants pour vous faire plaisir, parce que je ne suis pas à l'aise avec les gants. Et les gants en vinyle, je n'ai pas encore acheté ça. On verra bien.
Je vous avais dit dans une vidéo que je garde mes plastiques pendant 2 ans et mes sacs, vous avez Wanda. Franchement, moi je lave mes sacs, je garde tous les sacs que j'utilise ou bien que j'achète, qu'on me donne au supermarché. Non, je lave, je garde. J'achète rarement les sacs. J'achète le sac quand j'ai oublié le sac à la maison ou bien en rentrant de quelque part, je me suis dit, vaut mieux profiter pour faire un petit marché. C'est là que j'achète le sac. Sinon, j'ai mes sacs à la maison que je lave. Les sacs, j'en ai depuis 2020, je vous assure, je les ai. C'est bizarre, non? Mais oui, je les ai. Donc voici la brosse d'ongles. C'est assez souple pour brosser le canapé et absorber avec un gant. Voilà. Donc maintenant, je vais faire mon mélange de vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau tiède pour aller nettoyer mon canapé. Non seulement ça va désinfecter, mais aussi ça va laver. Parfois, j'ajoute à ça un peu de liquide lessive. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'y aller comme ça. Et on verra le résultat ensemble. Là, je mets de l'eau qui a chauffé. Je mets le bicarbonate dessous, une bonne quantité quand même. Maintenant, je vais ajouter le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, je vais mettre jusqu'ici, oui, à mon main. Donc voilà. Voilà ce qu'il faut pour le nettoyage.
Donc voilà le résultat. Voilà la quantité d'eau que j'ai utilisée. Après, il ne faut pas aussi trop mouiller le canapé, sinon ça aura de la peine à sécher. Et surtout, il faut chasser les enfants pour qu'ils ne viennent pas jouer dessus avant que ça ne sèche. Donc vous pouvez quand même constater une différence. Voilà. Il y a quand même une différence. Quand ça va sécher, ce sera encore mieux. Donc voilà. Regardez comment l'eau est sale. Bien sale. Bien même. Ce qui est bien, c'est que le bicarbonate de soude va aussi désinfecter en même temps. Voilà pourquoi il est important d'avoir un canapé microfibre si on veut avoir un canapé en tissu. Sinon, avec cette couleur-ci, là, c'est vraiment pas possible au quotidien. Mais comme c'est le microfibre, même avec un gant sec, on frotte la saleté dessus. Maintenant, je vais frotter l'arrière-ci. Je vais frotter le derrière du canapé. Ce sera terminé. Bon voilà, j'ai terminé de nettoyer mon canapé. J'ai ouvert la porte pour que le vent, pour que l'air vienne sécher ça. Je vais aussi tirer les rideaux de la fenêtre pour que l'air entre bien et le vent va sécher. Surtout, surtout que les enfants ne passent pas à côté. Quand je veux faire ce genre de choses, soit je les envoie dans la chambre, soit je profite quand ils ne sont pas là pour vite faire. Une autre chose, si vous n'êtes pas sûr du tissu de votre canapé, ne l'essayez pas du tout. Surtout pas avec la brosse. Vous pouvez nettoyer avec un gant, frotter juste un peu fort. Mais ce tissu-ci, vraiment, c'est un bon tissu. C'est un tissu canapé microfibre. Ça se nettoie facilement, ça se nettoie vite. C'est vrai que là, je n'ai pas vraiment beaucoup frotté. J'ai quand même enlevé la quantité de saleté que je pouvais enlever. Vous avez vu l'eau comment c'est bien sale, bien, vraiment là. Ce que je vais faire maintenant, c'est de nettoyer l'eau qui s'est versée là partout au sol avec ma serpillière là. Je vais nettoyer l'eau, je vais repositionner le canapé et ça va sécher. Donc là, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. S'il vous plaît les amis, activez la cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Surtout, surtout, partagez autour de vous. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!